Aujourd'hui, dans Meet & Knit, nous nous rendons au restaurant Windsor à Bertrange. Le chef Jan Schneidewind et son responsable de salle nous accueillent pour nous présenter les coulisses de l'établissement. Bienvenue dans Meet & Knit, l'émission qui pousse la porte des restaurants et va à la rencontre des chefs. Grâce à un design élégant, on oublie bien vite que le restaurant est situé dans une zone d'activité commerciale et industrielle. C'est un petit peu la surprise parce qu'en arrivant sur le parking, on ne s'attend pas forcément à trouver un restaurant comme le Windsor. Les clients du Windsor apprécient les propositions de menus conçues par le chef. Le midi, nous travaillons beaucoup avec des hommes d'affaires. Donc c'est pour cette raison que M. Schneidewind a mis en place une formule lunch. Un autre point fort de ce restaurant est sa belle cave à vin. Une cave qui privilégie bien sûr les vins français, mais également les vins italiens, les vins autrichiens, un grand Bourgogne, un grand Bordeaux, à des prix qui restent raisonnables. Pour que les repas se terminent en beauté, le chef de salle présente un plateau de fromage élégamment garni. Nous avons aussi un très beau plateau de fromage avec toutes les régions de France. À moins que ce ne soit l'impressionnant chariot de dessert, concocté par l'équipe de trois pâtissiers. M. Schneidewind a créé un très joli chariot de dessert donc qui varie régulièrement. Retrouvons à présent Jan Schneidewind en cuisine pour qu'il nous parle de la philosophie de sa carte. Au plus simple, au mieux c'est. J'aime bien avoir un bon produit, sur l'assiette qui fait plaisir à manger et à déguster, avec un petit complément qui relève le goût, une petite garniture qui est de saison et c'est basta. Tout ça c'est joliment présenté, je pense qu'avec ça on est très bien. Pour Meet & Knit, le chef propose un plat de saison, original, avec un produit plutôt rare. On est dans une période du Chinook. Le Chinook c'est un saumon qui vient du Canada. Un vrai saumon sauvage, c'est-à-dire que le chinook qui vient maintenant de la mer, il monte les rivières pour prendre les œufs un peu plus loin. Et ça, c'est aussi le saumon le moins gras qu'on peut avoir. Regardez la belle couleur de la chair ici. Il y a même une petite boucle d'oreille ici pour toi, France. Tu le veux? Non. Il commence par nettoyer et découper le saumon. Ce qui est curieux aussi avec ces poissons-là, vu qu'ils viennent de plusieurs côtés, pour monter les rivières. Il passe aussi par les différents stands là, pour manger. Donc vous avez du saumon blanc, vous avez du saumon vraiment rouge, comme le rouge français, comme les cerises, et aussi du rose, là, comme on connaît le saumon normalement. Pour cette recette, il ne garde qu'une partie du filet, qu'il va découper à l'emporte-pièce. Avant de l'imprégner d'huile d'olive. Ces pièces de saumon sont grillées sur une poêle très chaude, d'un seul côté. Et après les avoir assaisonnées de thym et de poivre, elles sont maintenues au chaud. Pour faire le tartare de saumon, le chef découpe de petits cubes qu'il assaisonne avec de la fleur de sel, du poivre et de l'huile d'olive. Il ajoute des salicornes pour apporter du croquant. Pour l'accompagnement, le chef va créer une vinaigrette de légumes. Il mélange des cassis pour leur côté rustique, du poivron doux d'Espagne, de l'oignon nouveau, un radis, de la courgette, des girolles, et de la pastèque pour la fraîcheur. L'ensemble est mélangé avec de l'huile de pignon de pin, du vinaigre de yuzu, du poivre et du sel. Pour le dressage, le chef réalise un faux burger avec le saumon grillé comme base, le tartare de saumon comme garniture, une deuxième couche de saumon grillé et les légumes autour. Il termine avec les cubes de pastèque, du poivre et une peluche de cerfeuil pour la décoration. Je
vais m'installer maintenant en salle pour déguster ce que le chef m'a préparé. Merci. Donc le burger de chinook légèrement grillé, accompagné de ces petits légumes croquants en vinaigrette. Je vous souhaite un excellent déjeuner. Pour accompagner votre chinook, j'ai prévu un sauvignon italien, donc la partie nord-est de l'Italie, sur le millésime 2008. Bon appétit.